messieurs Michel Cadot et Tony Estanguet. Ne vous en déplaise, je vais me faire ici la porte-parole des inquiétudes des habitants de ma circonscription, située dans le 19e arrondissement de Paris, largement touchée par l'organisation des Jeux Olympiques, avec 700 000 personnes, paraît-il, attendues sur la fan zone Villette. Tout d'abord, ils sont inquiets de l'état de saturation des transports, notamment ligne 5, tram 3A. Nous avons entendu hier Valérie Pécresse nous expliquer qu'il fallait se préparer à marcher et que c'était bon pour la santé. Je voulais savoir si vous aviez des éléments plus rassurants pour nous. Deuxième sujet, celui de l'accès aux lieux de soins et de culture. Comment sera garanti l'accès à l'hôpital des enfants Robert Debré et ses urgences essentielles, en particulier au moment des entraînements et de la course cycliste prévue juste devant. Je suis aussi interpellée par des lieux de culture, dont des péniches qui ne savent toujours pas si elles devront faire face à des fermetures et comment elles seraient dédommagées. Et enfin, troisième sujet, celui du sort des populations les plus précaires. Alors, on a pu observer encore de nouveaux démantèlements de campements informels, déplacements forcés de sans-abri, évacuation de travailleurs immigrés, interdiction de distribution alimentaire. Dans ma circonscription, on connaît bien ces déplacements, notamment des personnes aussi consommatrices de drogue. On sait que sans solution pérenne d'accompagnement, la logique répressive ne fait que disperser et continuer à maintenir ces gens dans l'errance. Donc, est-ce qu'il est prévu un déploiement médico-social plutôt qu'un renforcement toujours plus répressif? Les périmètres sur la question dans le 19e arrondissement, sur les impacts, plusieurs d'entre vous ont demandé un petit peu quels seraient les impacts à l'avance. Il y a quand même eu un gros effort de fait par la préfecture de police pour identifier là aussi des cartes très précises maintenant qui sont en ligne sur les sites de la préfecture de police et sur la ville de Paris, pour savoir zone par zone et même semaine, là entre maintenant et les Jeux, à partir de quand il y aura des impacts sur la circulation. Bien évidemment, les activités d'urgence, de santé seront préservées, maintenues et des solutions sont trouvées pour que les gens puissent continuer à travailler quand il y a une nécessité de travailler. Donc tout ça, il y a une foire aux questions qui est quand même très détaillée, qui permet déjà de trouver beaucoup de réponses. Et si ça ne suffit pas, il ne faut pas hésiter à revenir vers la préfecture de police qui est en train, là aussi, de mettre un dispositif vraiment efficace pour répondre à toutes ces questions. Pour les établissements culturels, il y a de nombreuses réunions entre la préfecture de police et chacun des musées et des établissements culturels pour trouver les solutions. Le principe étant celui de leur permettre de continuer leur activité, évidemment. Et donc, c'est une assurance que je vous donne. Les péniches, le dossier est parfaitement sous contrôle aussi, avec pour certaines d'entre elles un déplacement vers Boulogne, par exemple, où il y a des zones de stationnement possibles. Pour les autres, le maintien sur place, éventuellement comme avec des lieux d'accueil pour les Jeux, et ils recevront du public qui pourra profiter d'une capacité de visibilité très forte. Et pour les autres, à ce moment-là, il y aura dans quelques cas une indemnisation, mais ils se comptent sur moins que les doigts d'une main. Et la discussion se poursuit actuellement entre le préfet de région, le préfet de Paris, compétent sur la police du fleuve.